Retrouvez votre programme avec Harmonie Mutuelle. Harmonie Mutuelle, prévention, santé, prévoyance. Dis-moi Sylvain, ça fait combien de temps que tu es passé professionnel ? Alors exactement, je suis passé professionnel en 2000, donc j'ai attaqué ma 18e année. On a fait beaucoup de kilomètres et ça m'a permis de voyager beaucoup aussi. Bah écoute, moi ce que je te propose aujourd'hui pour vivre mon sport, c'est d'avoir les kilomètres dans les bras. Alors là, c'est quelque chose de nouveau pour moi parce que j'ai plus l'habitude de pédaler avec mes cuisses. Donc là, avec les bras, je pense qu'il va y avoir quelques toxines dès les premiers mètres. On va voir ça tout de suite. Salut Mathieu, je t'ai apporté un petit jeune qui voudrait essayer ton sport. Bonjour Mathieu, ça va? Donc tiens Sylvain, je t'invite à t'installer. Avec plaisir. Mathieu, comment t'es arrivé au handbag? Alors voilà, moi pour l'histoire, donc je suis handicapé depuis que j'ai 4 ans. J'ai commencé par la natation à 7 ans, jusqu'à 14 ans. J'étais plus un caillou qu'un hors-board, alors je me suis dit il faut changer. Et c'est vrai que le handbag c'est vraiment la liberté, pouvoir partir de chez soi. Et après forcément sportivement, un palmarès... Les Jeux Paralympiques l'année dernière. Et champion de France. Champion de France. Je te laisse avec Sylvain, tu lui expliques un peu comment fonctionne la machine. Ouais. Et moi, ce que je vais faire, je vais me mettre sur une moto, on va donner le top départ, et la ligne d'arrivée, elle est à 500 mètres plus loin là-bas. Je peux pas te faire de cadeau. Voilà, ça y est, je stresse. Allez, attention. Prêt, 1, 2, 3, go. Allez, Sylvain. Ah, oh, j'ai trop gros. Et il part pas. Le démarrage est dur. Et j'ose pas changer les vitesses. Ah ouais. Mais vas-y, tu vas l'avoir. Ouais, mais il est à 20% de ses capacités là. Toi, je prends la roue. Ah, t'as entendu, il a passé à une vitesse supplémentaire. Je suis à l'abri là. Alors Sylvain, tes impressions, ça va? Non, là, je commence à toxiner. C'est vrai? Je ralentis là. Mais là, je suis tombé sur un bon gars, Mathieu. Il est trop mignon, il m'attend. Ah ouais. Mais pas te lâcher, Sylvain, pas te lâcher. Je suis un ouf. J'attaque! Allez, Sylvain, ouais, tu peux y arriver là! Allez, fonce! Allez, c'est le dernier, c'est le sprint! C'est le sprint! Allez, c'est parti! Allez! Allez, coup de rat! Ouais! Allez, stop, on s'arrête! Bravo! Oh, je suis mort! Ouais, t'as failli m'avoir, Sylvain! Bravo, les gars! Ça s'est joué de franchement, pas beaucoup. C'était une belle course! Sylvain, ta première impression comme ça, là, tout de suite, à chaud! Bah, je vais regarder d'une autre façon. Parce que en les regardant, c'est comme tout, ça paraît si facile. Mais ça reste des vrais athlètes de haut niveau. Et ça, faut bien le préciser, faut bien le mettre en avant, que ça reste des sportifs avant tout. Mathieu, le fait d'avoir fait cette course avec Sylvain Chavanel, ouais. Quelle sensation ça te donne? Quelle émotion? Ah bah c'est un grand honneur. Nos deux mondes viennent du même endroit. Hein. On est des cyclistes tous les deux. Et oui, c'est un honneur d'avoir fait ce tour de roue à côté de toi, Sylvain. Ce qui me rassure, c'est qu'il m'a dit avant de partir, c'était plus un finisseur. Donc je le comprends qu'il m'ait battu aujourd'hui. Hein, on va peut-être Sylvain, merci. Si t'as adoré, on y retourne. On continue Demain. Allez, allez, un petit coup, c'est parti. C'est parti, allez Mathieu. Il m'attend pas, jamais.